l'œil du poète, tout peut se prêter à l'inspiration. Durant son troisième court-métrage, les personnages de Thibaut Gobry se regardent, s'aiment, dans une ville de Troyes, en guise de décor. C'est un endroit relativement important de l'histoire, parce qu'on se trouve devant chez Pierre. Pierre, c'est le luthier, et c'est là que Louise, la violoncelliste, le raccompagne et le dépose devant chez lui. Or, c'est, j'allais dire probablement, mais c'est la dernière fois qu'ils vont se voir. Et donc il y a une confrontation entre deux. Ils sont garés là, dans la voiture. Lui va descendre de la voiture, va approcher de la porte que vous voyez derrière. Et ce sont les derniers mots entre eux. Voilà. Et là, je raconte l'histoire d'une relation qui ne réussit pas à prendre corps, à s'incarner, alors qu'on voit bien que réciproquement, il y a une attirance forte entre les deux personnages. Et Louise, pourquoi tu ne dis pas au revoir ? Thibaut Gobry doit en partie son salut de réalisateur à ses parents professionnels du théâtre et de la musique. Passionné, il enchaîne les courts-métrages amateurs dès l'adolescence. Ce qui était le plus important pour moi, c'était le fait de faire un travail de création. Ça, c'était sûr. Ce qui me touchait beaucoup, c'était l'image et la musique quand j'étais adolescent. Et ben finalement, quand on a dit image et musique, on a déjà presque dit cinéma. Mais aussi, je dois dire, raconter une histoire par le biais de la fiction, par le petit bout de la subjectivité. On peut parler de la plus grande objectivité, en fait. Une petite fracture ? Ben ouais, je m'en suis même pas aperçue. Après des études universitaires de cinéma, à 25 ans, il troque la caméra amateur contre la pellicule 16 mm. Thibaut Gobry tient à trouver une voix singulière, il est tenace, cela lui sera bien utile. Et là a commencé des années plus difficiles pour monter, aller à la rencontre des équipes professionnelles. C'était tout un apprentissage de cela qui ne m'avait pas été transmis par l'université. Quand même, si le cinéma est vraiment fort pour quelque chose, c'est pour filmer des visages, filmer des regards, filmer des expressions. C'est quelque chose pour moi, un visage, c'est aussi fort qu'un paysage. Je mets aussi le sens pour moi de faire du cinéma, je le mets assez haut. Je veux raconter des choses qui sont difficiles à raconter, qui sont difficiles à saisir, à capter. Donc, je compte beaucoup avec le temps et donc j'ai l'impression d'être tout à fait encore un adolescent et de faire mes premiers pas d'adulte. Vous avez quel âge ? J'ai dans quelques jours 38 ans. Thibaut Gobry a mûri. Il se sent fin prêt à réaliser son premier long métrage. L'histoire de Céleste, gouvernante de Marcel Proust, la vie d'un grand homme vu par l'escalier de service. Bref, un autre regard.